Attention, c'est un moment solennel. Je vous demande beaucoup d'attention. Le zoophone existe depuis 1993. Le plus ancien de mes musiciens est ghanéen. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème avec les étrangers. Tant qu'ils ne visent pas là-haut, on n'a pas de problème avec eux. Le plus ancien de mes musiciens est ghanéen. Mesdames, mademoiselles et messieurs, peut-être que c'est la dernière fois qu'il va monter sur une scène avec nous. Il a de graves problèmes de santé et il est obligé, vraiment obligé de rentrer chez lui. Je vous demande de faire une ovation particulière pour Stéphane Emmons. On va mettre, trouvez-moi une corbeille, Ce monsieur est là depuis 93, mais il ne peut plus jouer, il ne peut plus nous accompagner à cause de son problème de santé. Il va rentrer définitivement au Ghana. Alors, c'est peut-être son dernier concert. C'est peut-être la dernière fois qu'il va jouer avec nous. C'est peut-être notre destin est entre les mains de l'être suprême. Mais on ne sait jamais. Donc, pour une fois, une dernière fois, il va nous accompagner. On va mettre une corbeille là, celui qui a 500, 100 francs, 10 francs, mettez des dents, on va faire une collecte pour lui donner, pendant qu'on va jouer le seul morceau pour lequel il est là ce soir. Mesdames, mesdames et messieurs, ce morceau, quand je l'ai composé, c'était avec lui. Aucun des musiciens qui sont là était là encore. C'était en 93, qui n'était pas encore né. C'est avec lui que j'ai composé ce morceau. Juste quand vous allez écouter, vous allez le reconnaître. Écoutez. Thank you.
Viens, beaucoup personnes, accompagnez-le. Eric, Jeff, venez. Il était d'abord à l'orchestre de la RTI. Le jour où je l'ai vu jouer à l'orchestre de la RTI, j'ai dit non, tu viens combien ici? Il m'a dit, j'ai dit je double, tu joues avec moi. Et depuis, il m'a pas quitté. Il a partagé aussi une messe à l'église Saint-Luc de 220 logements. La maman est élue au courant. Ouais. Monsieur le maire. Il a joué aussi à Saint-Luc. Oui, et moi je joue à Saint-Luc. À cause de son œuvre. Ah! Il y a le souverain qui vient lui rendre hommage. Ok. Je vais laisser la parole au chef d'orchestre. Donc, lui, je te laisse la parole. Merci. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je pense que l'événement, ça va me donner mon volume. Ça va être beaucoup d'émotions. Que ce soit la parole au nom du souverain, au nom de l'organisation, je vous dis merci. Merci pour toutes ces années que tu as apportées aux souverains, pas seulement les gens, mais aux souverains. Je vous remercie beaucoup appris avec moi. On a parcouru beaucoup de pays, on a partagé beaucoup de choses. Je pense que. Après moi, je suis plus ancien. Et c'est à vous de dire. Merci. On a tenu un contexte sur le présent. Pour que à chaque fois que j'arrive sur mon salon, peut-être que je te rappelle que j'ai un grand monsieur. Un très grand monsieur.